Bonjour et bienvenue sur Moissac TV. Aujourd'hui, je vous amène à Saint-Maurin. Saint-Maurin, ce petit village situé en limitrophe du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. On est situé à 4 km de Montjoie. Alors, on va s'intéresser à ce village puisqu'il y a une légende qui est un peu particulière et que je vais d'ailleurs vous raconter tout à l'heure. Cette légende qui est le point de départ, justement, du village. Sans légende, pas de village, pas de monastère. Et ça, c'est justement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ces légendes, vous en connaissez certainement. D'ailleurs, on en a dans quasiment tous les villages. Si on prend Moissac, on sait que c'est Clovis qui aurait donc lancé son javelot pour situer l'emplacement de l'abbaye. D'ailleurs, Loïc en avait déjà parlé dans un autre reportage. Vous pourrez justement trouver plus de détails dans ce reportage. À Lauzerte, c'est Charlemagne qui est passé, puisqu'à son retour d'Espagne, il aurait laissé une vierge en argent, qui était d'ailleurs placée dans l'église primitive, qui a été détruite, l'église Notre-Dame-des-Vaux, et qui se situait avant, à la place de la chapelle Saint-Mathurin, dans le cimetière, en contrebas de la villa. À Roquecorps, et d'ailleurs ce qu'on peut voir aussi à Touffaille, deux à Belvèze et également à Saint-Amand, ce sont ces fameux pas de Roland. Roland qui était le chevalier justement de Charlemagne et qui a laissé ses empreintes gravées dans la pierre, puisqu'on peut retrouver sur ces pierres bien sûr l'empreinte du pas de Roland, ainsi que l'empreinte du sabot de son cheval. Maintenant imaginez-vous au VIe siècle. Ici, à Saint-Maurin, il n'y avait rien. C'était un lieu très boisé, qui s'appelait d'ailleurs Anglars. Anglars, du mot angle, hein, il y avait certainement un bois carré, un pré, hein, certainement. Le ruisseau Les Corneboeufs passe au cœur, justement, de cette vallée. Et les foyers de population se trouvaient à quelques kilomètres, à Taillerac et Férussac. D'ailleurs, la consonance en hac nous rappelle bien l'origine gallo-romaine de ces villages. On a retrouvé aussi la Vénus de Taillerac, qui se trouve aujourd'hui au musée d'Agen. On a retrouvé des mosaïques, et tout porte à croire que dès l'époque gallo-romaine, on avait donc un foyer de population à quelques kilomètres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, justement, on fonde ici même un village? Maurin est né à Agen à la fin du VIe siècle. Ses parents soutiennent et ils vont décider de l'envoyer très tôt, puisque on sait que c'était un enfant très intelligent et très mature pour son âge. Ils vont l'envoyer étudier auprès de Saint-Germain à Capoue en Italie pour devenir diacre puis grimper les échelons dans la chrétienté. Après 7 ans d'études, Maurin revient et c'est à Lectoure qu'il commence à prêcher la bonne parole. Malheureusement, à cette époque, la légende nous dit que c'est Valjoan, un gouverneur païen, qui dirige la ville et qui ne veut pas du tout entendre parler de christianisme. Valjoan, ce gouverneur païen, va décider de le faire lapider, mais les pierres ricochent et vont plutôt frapper les soldats. Ensuite, il décide de le faire brûler, mais sur le bûcher, Maurin ne brûle pas. Il est vraiment protégé, c'est un miracle. Pour en terminer, il va donc décider de le jeter en prison. Et une fois en prison, Maurin va recevoir la visite d'un ange, un peu comme une annonciation. Et cet ange va ouvrir, miraculeusement, toutes les serrures des cellules. Les soldats qui le gardent sont estomaqués et décident de se rallier à sa cause et vont l'aider finalement à s'échapper. Maurin s'échappe. Bien sûr, il va être poursuivi par Valjoan. Et la légende nous dit que c'est à cet endroit, ici même, qu'il a été rattrapé par ce gouverneur. Deux chapiteaux nous racontent la suite de la légende. Ces chapiteaux sont toujours visibles dans les restes du chœur. D'une part, on voit Valjoan qui est descendu de son destrier, regardez les détails du cheval. Il tient d'une main Maurin et de l'autre main le glaive qui va lui trancher la tête. Et même, comme nous dit la légende, une partie de l'épaule. Alors la légende ne s'arrête pas là. Ensuite, et là on le voit sur le deuxième chapiteau, Maurin va ramasser sa tête, puis avant de mourir, il va guérir une lépreuse. C'est encore un miracle. Cette lépreuse, c'est la femme que l'on voit justement sur la droite de ce chapiteau. À gauche, un ange qui, encore une fois, protège Maurin. Regardez le détail justement de l'ange. Il va justement porter son âme jusqu'au paradis. Maurin est ensuite enseveli. Et sur son tombeau, on va construire une première église. Cette église va être dédicacée. On a très peu de détails, mais on sait que c'est Saint Didier, évêque de Cahors, qui va la dédicacer donc au tout début du 8e siècle. Par la suite, un petit monastère va voir le jour
Encore une fois, on a très peu de détails, mais on sait qu'il existait avant l'an 1000 et on retrouve des mentions en l'an 1040. En 1082, les travaux de reconstruction de l'abbaye débutent et on voit même d'ailleurs dans cette chapelle la dédicace en 1097. Même si l'église n'était pas terminée, eh bien on va quand même la consacrer. Alors vous l'avez compris, c'est vraiment la légende de Mourin est vraiment le point de départ du village, puisque suite à la construction de l'abbaye, la population va se regrouper autour, d'où l'agglomération qui va se créer. Le village s'est donc développé autour de cette abbaye, et aujourd'hui, cette petite commune de 370 habitants a intégré un musée à l'intérieur du château abbatial. Vous pouvez visiter cette abbaye et le musée pendant l'été, pendant juillet et août, tous les après-midi sauf le mardi. Vous pouvez me contacter pour plus d'informations ou bien voir directement avec l'association des Amis de l'abbaye de Saint-Maurin. En tout cas, moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain reportage sur Moissac TV.